Bonsoir à tous ou rebonsoir. Tous les journalistes de TF1 se sont mobilisés pour essayer de vous faire comprendre ces moments historiques que nous sommes en train de vivre au cœur de ce Proche-Orient et précisément à Jérusalem, cette ville si convoitée par tant de gens depuis des millénaires. Radio Vatican, évidemment sensible à tout ce qui touche Jérusalem, parlait tout à l'heure de miracle à propos des négociations israélo-palestiniennes. Alors évidemment, le mot est peut-être fort, un peu trop fort, parce que l'on sait que tout est fragile, mais je crois qu'il reflète bien l'esprit du moment. Alors pour essayer d'être le plus clair possible, tous les journalistes du service de politique étrangère, sous la houlette de Régis Faucon, qui se trouve ici à Jéricho, ont essayé de vous faire comprendre à travers des historiques, à travers des reportages faits sur le terrain, ce qu'est la réalité de ce pays et de cet ensemble si complexe qui s'appelle le Proche-Orient, où se mêlent des Juifs et des Arabes, précisément ici et même derrière nous, puisque derrière ces murailles construites par Soliman le Magnifique dans les années 1500-1520, eh bien on retrouve des chrétiens, des Juifs et des musulmans.